Coucou tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une Lodi d'enveloppe. Donc, qui se présente comme ceci. Elle a la particularité, en fait, de s'ouvrir. J'ai voulu une ouverture pour mettre davantage de choses. Je ne voulais pas trop charger sur le devant. Déjà, je trouve qu'elle est, elle est vraiment chargée. Donc, j'ai fait une ouverture. Donc, du coup, il y a une tranche, comme ceci. Et puis derrière, elle est juste, il y a juste une enveloppe tag. Donc voilà, je l'ai faite pour un swap que je fais avec Brigitte, je crois qu'elle s'appelle. Donc elle ne l'a évidemment pas encore reçue, hein, parce que nous sommes encore en confinement. Donc je l'enverrai après le confinement. Donc je vous la présente. Alors, dans un premier temps, sur le dessus, elle a donc deux pochettes dans lesquelles j'ai glissé des petits goodies. Donc, il y a des petites fleurs, comme ceci. Ensuite, j'ai mis des petites découpes, là. Là, c'est ma memory card. Le thème, c'était le printemps. Donc, elle est toute simple, une petite fleur, c'est le printemps. C'était, voilà, ma memory card. Ensuite, il y a des paperclips. Cette petite pince que j'ai collée de la dentelle. Donc voilà. Ici, c'est un petit paperclip avec un petit nœud et de la dentelle. Là, il y a deux petites bobines sur lesquelles j'ai mis du petit ruban, un petit tag avec une breloque et une petite pince. Voilà. Là, ce sont des découpes. Il y a des découpes de memory card. Il y a des petites bobines, une cage, des papillons, une bobine plus grosse, des petites découpes. Ensuite, c'est un tag sur lequel je suis venue mettre des paperclips. Donc, j'ai fait. Hop, attention de ne pas l'abîmer. Ça sort comme ça. Je vais y arriver. Là, voilà. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Celui-là, celui-ci. Là, c'est un petit avec une fleur. Celui-ci aussi. Hop, on le remet dedans. Comme ça. Voilà. Donc, c'est une petite planche de tag avec des paperclips. Ça, c'est du chocolat. Je suis partie en vacances à Prague. Donc, j'ai ramené du chocolat. Je ne sais pas s'il est bon parce que je n'aime pas le chocolat. C'est un petit clin d'œil parce qu'il est à la fraise et j'habite la capitale de la fraise. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'il est bon. Elle verra. Voilà, chocolat. Voilà pour la première partie. Donc, comme je vous ai dit, eh bien, elle s'ouvre comme ceci. Elle est fermée avec un ruban. Donc, je l'ouvre et à l'intérieur, il y a encore deux pochettes. Qui sont identiques en taille, hein, ce sont des pochettes accordéon. Donc dans celle-ci, j'aurais peut-être dû enlever pour que ce soit bien à plat. Voilà. Dans celle-ci, il y a un petit carnet que j'ai réalisé. Alors il a la particularité de où elle l'utilise de ce côté, ou si elle préfère, elle l'utilise de ce côté parce qu'à l'intérieur, oui, ce sont des. Il est juste ligné, donc elle peut l'utiliser ou plutôt de ce côté, ou plutôt de ce côté, comme bon lui semblera. Donc voilà, de ce côté. Ensuite, là, il y a des infusions, framboise pêche, des petites infusions que j'ai aussi ramenées de Prague. Et il y a une enveloppe que j'ai réalisée avec... l'enveloppe est faite... elle est vieillie au café. Et sur laquelle je suis venue mettre plusieurs couches de différentes dentelles et rubans. Avec un petit nœud en organza, avec de la dentelle, des petites perles et de la petite dentelle fine. Donc voilà. Et là, c'est une planche, pour rester à peu près dans le thème, c'est une planche de tampon clear sur le thème du café. Avec plusieurs gobelets, des donuts, et puis des petits cœurs du café. Mais c'est mon premier café, voilà, avec des petits tampons clear.
Voilà. Voilà pour l'intérieur. Voilà. Et le derrière, et lui par contre très, très plat, très simple, c'est une enveloppe que j'ai en forme de tag, dans laquelle se trouve une carte qu'elle pourra ou garder, ou peut-être que j'écrirai mon petit mot, je ne sais pas trop encore, puisque je n'ai pas fait mon petit mot, ou je mettrai mon petit mot à l'intérieur, ou je la laisserai comme ça, et je ferai une autre carte pour mettre mon petit mot, je ne sais pas trop encore. Donc voilà, et puis qui se range à l'intérieur. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir tout le monde.